L'Organisation internationale pour les migrations œuvre en République démocratique du Congo afin de répondre aux défis posés par les flux de migration irrégulière entre la RDC et l'Angola. L'OIM à Kinshasa déploie un programme dans deux provinces, au Bas-Congo et au Kasaï occidental, qui possède trois volets. Le premier volet est un appui structurel à la Direction générale des migrations dans le cadre de construction de centres de transit visant à accueillir et expulser les plus vulnérables, victimes de violations des droits de l'homme lors des procédures d'expulsion. Le deuxième volet du projet consiste en une assistance directe, alimentaire, vestimentaire et en transport vers leur ville d'origine des ressortissants congolais qui ont été expulsés de l'Angola. Finalement, le troisième volet du projet consiste en des campagnes de sensibilisation auprès des populations transfrontalières et notamment des populations les plus jeunes, les informant sur les dangers et les risques d'une migration irrégulière et sur les bénéfices d'une migration en bon ordre. À l'OIM Kinshasa en capitale, l'OIM préside également le groupe de travail sur les expulsés de l'Angola en coopération avec l'OCHA, qui regroupe des acteurs de la société civile et également des ONG internationales afin de concentrer nos efforts pour répondre aux défis posés par ce fléau.